Thierry Neuville, je m'adresse au premier des autres. Vice-champion, c'est quand même un super résultat. Oui, tout à fait. Voilà, c'était un de nos objectifs de cette deuxième partie de saison. On est revenu de la 8e place à la 2e place, ce qui était plutôt pas mal. Vu que Sébastien Auger n'a pas eu trop de soucis cette année, a fait peu d'erreurs, il faut le dire, juste en Finlande. Donc il n'y avait pas moyen de le battre, mais en gros, finir premier des autres, c'est quand même satisfaisant. Alors si on regarde justement le déroulement de cette saison, ça commence avec une voiture très jeune au Monte Carlo, avec des pilotes qui ont du mal à comprendre comment elle fonctionne. Et ça se termine par 5 podiums successifs, avec au milieu une victoire. Si tu regardes dans le rétro, du Monte Carlo jusqu'au Rallye d'Australie, comment tu vois l'évolution à la fois de la voiture et puis de ton côté, la tienne également? Ouais, j'ai senti qu'on avait une bonne voiture dès les premiers tests avec la voiture 2016. Et puis quand on a démarré le début de saison, c'est vrai qu'au niveau des setups, il y avait pas mal de choses à revoir. Le Monte Carlo a été un rallye difficile pour nous, malgré qu'on ait fini sur le podium avec des petits soucis mécaniques. Ça a été quand même un bon début de saison. Puis ensuite, ça s'est enchaîné un petit peu avec une sortie de road au Mexique, 3 rallyes consécutifs avec abandon mécanique et la panne d'essence. Donc ça a été plutôt difficile et puis il y a eu cette victoire et après ça, plus aucun souci avec la voiture. On a été très régulier, je me sentais très à l'aise dans l'auto, donc j'ai continué sur un gros rythme sans prendre de risques pour prendre un maximum de points à chaque course. Et je pense qu'on a bien géré cela pour revenir en deuxième position et surtout battre 2 des 3 pilotes Volkswagen. Le paysage 2017, il est relativement nouveau, il est même extrêmement nouveau, parce qu'il y a à la fois les nouvelles voitures, la nouvelle réglementation, le départ de l'équipe Volkswagen, l'arrivée de Toyota, l'arrivée de Citroën. Comment tu vois tout ça? Ouais, beaucoup de changements, on va dire. Même en niveau réglementation du rallye lui-même, il y a des changements. Donc ça sera une nouvelle saison. Beaucoup de choses auront changé. Mais je pense que la saison sera d'autant plus attractive avec ces nouvelles voitures qui feront plus de bruit, qui iront plus vite, qui sont plus larges, plus beaux. Donc les gens vont l'aimer, les spectateurs, ceux qui suivent le rallye. Et puis ensuite, je pense que c'est vrai que le carrousel de pilotes a vachement tourné. On trouvera le champion du monde des dernières 4 années dans une autre écurie. Et puis même les autres pilotes Volkswagen vont devoir se recaser. Donc ça va être intéressant à suivre et on est tous curieux de voir où ils vont atterrir. Cette nouvelle voiture, cette nouvelle réglementation avec les différentiels électroniques, avec pas mal de choses, comment tu vois ça? C'est forcément un énorme plaisir à piloter ces voitures. Il peut y avoir aussi des surprises au niveau de la hiérarchie? Oui, il peut y avoir des surprises. Maintenant, c'est sûr que pour moi, c'est nouveau, mais je me suis vite habitué, je trouve. Ces nouveaux différentiels nous aident quand même à adapter la voiture mieux au pilotage de chaque pilote, de la conduite à chacun lui-même. Maintenant, c'est vrai qu'on peut aussi plus vite se tromper et ne pas se rendre compte tout de suite. Donc, il va falloir encore mieux travailler main en main avec son ingénieur, avec l'équipe, pour justement ne jamais se tromper et toujours avoir les bons réglages.